Ça, c'est magnifique, ça. Les gens attrapent deux par deux maintenant, etc. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 10 août. Samedi dernier, il faisait du vent. Donc, je ne suis pas sorti. Et là, aujourd'hui, voilà, la mer d'huile. Bon, je vais à ma roche secrète. C'est une roche de terre juste avant d'arriver à Corée. Et dans les 25 mètres, cette roche. Voilà, il ne fallait pas que je le dise. Bon, tant pis. Les cannes, eh bien, toujours les mêmes. Je reprends toujours les mêmes. Les appâts, j'ai pris des moules aujourd'hui et j'ai réussi à avoir deux bernards l'ermite que j'ai bien sûr que j'ai décortiqué et que j'ai déjà préparé pour mettre à une canne. Mais c'est tout, voilà. Donc on se retrouve là-bas. Oui, bien sûr, là aujourd'hui ancré sur la roche. Et ma canne à l'heure, on ne sait jamais s'il y a une chasse. Là pour le moment, à part en début de saison, je n'ai encore rien vu. À tout à l'heure ou à de suite, comme vous voulez. Bon, c'est très calme, pas grand monde, comme la dernière fois. Enfin, il y a plus de 15 jours, 3 semaines. Donc j'ai mis le bouchon avec une sardine. Sur cette canne, mouron, dur rouge. Et sur la canne à l'heure, j'ai mis le bernard l'ermite. Voilà. Donc, ils ont de quoi se nourrir. Voilà. Là, il y a poisson. Mais alors, de nouveau, vu que c'est rocheux, il y a des serrans. Hein. Bon, je pense qu'il y est. Et voilà. Ouf. Allez, on le touche de l'autre côté. Alors je dis même pas poisson parce que je sens rien. Voilà, il y a rien. Une touche. Ouh. Je lui touche là. Et poisson. Enfin. Un joli ça. Oui, ça c'est joli ça. Alors j'ai toujours les montages de près. Là en remontant le sar, il y a un nœud sur le bas de ligne. Donc je l'ai coupé. Je suis prêt pour en remettre un autre rapidement. Et c'est pas un concours, mais si on passe 2 heures au meilleur moment de la pêche à faire des montages, je crois que c'est pas le but du jeu. Ah, je commence à voir de la compagnie. Quand je suis arrivé, je crois qu'il y avait un bateau au loin. Et là, voilà. Donc c'est pas plus mal. Ah, il nous touche de nouveau.
poisson. Ça c'est magnifique ça. Je les attrape deux par deux maintenant les serins. Allez, je vais tenter une moule et une canne. Bon, j'ai une touche sur cette canne. Je viens de faire un second joli sar. Donc je vais le refilmer parce que la caméra est retombée en panne. Là ça va être une merde. Donc je vais vous montrer les deux sars, c'est dommage quand on fait de jolis poissons. Non, il n'y a rien. Donc. Je vais vous remontrer les sars. Et le second plus petit que je viens de faire maintenant. Donc le second je l'ai fait à la moule. Et oui, pareil, je sais pas si c'est filmé ou pas. J'ai mis une moule. Alors, quand on dit que c'est chiant les GoPros, c'est pas simple. Entre filmer, faire les montages, ça tombe en panne. Là, je viens de voir un tuto sur, je crois, sur la GoPro 11. La batterie a explosé, elle a gonflé, elle a flingué carrément la caméra sur une GoPro 11. Ben la moule me plaît, elle va repartir comme ça. Hein. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, je pêche avec de la tresse. Et la tresse, elle est colorée chaque 10 mètres. Donc je vais leur remettre positionner la canne au même endroit. À la couleur, c'était le bleu. On va se remettre au bleu. Et une touche. Poisson. Ah, j'espère que celui-là il sera filmé. Parce que je disais, j'en suis au troisième. Enfin, j'ai fait... de ça. Vous voyez celui-là il est joli aussi. Beaucoup de tête. Ouais. Un joli petit sar. Je vois plus le bouchon. Et poisson. Ah, ça va être une raie. Alors. Ah.
les touches à bouchon. Hein. Et poisson. Valérie ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, je crois que j'ai une autre raie, j'ai la canne de la ML là. Oui. Bisous. Je la vois, elle est là. Non, non, c'est la même. Trois et deux, trois sars et deux raies.